Nous sommes le jeudi 5 mars. Il est bientôt 19h et nous nous rendons au vernissage de l'exposition de Philippe Bichon. Nous avons été invités, nous y allons. Installation. Ça suffit parfois. C'est ça, au fait. Il y a un geste qui est passé. Enfin, tout au bas. Ouais, il faudra. Il est au genre trois fois de l'expo. Ah, d'accord. Lui, il est deux. C'est important. Je te laisse faire pour l'instant. Chez Fred samedi, je lui dis tiens, mais Marie, tiens, ton foulard. Ouais, voilà. Hop, on change. Je sais pas si tu connaissais Michel. Mais il me semble qu'on s'était vu à la Cyberbas, c'est ça. En réponse à mon. À Françoise. Mais peut-être que et vous avez voulu le transmettre. Peut-être qu'il faut réserver. Ouais, c'est la personne qui gère. Ouais. C'est pour savoir la technique. Ouais. Voilà. J'ai. Ouais. Merci. Ouais. Merci. Non, mais sinon elle le fera, elle. L'appareil photo aussi. Alors, de nombreux ouvrages sont à consulter sur place. Et où bon? D'accord. Puis il va parler, et je crois qu'il y a une deuxième soirée aussi, tu vas l'annoncer la deuxième soirée. Oui, alors c'est le 9, c'est ça? Oui, c'est le 9 ça. Avril. C'est la coulée douce, il va vous présenter quelque chose. Donc là, il va vous parler de son travail, accès montagne, l'exposition elle dure un mois à peu près. Deux mois. Deux mois, deux fois plus. Deux mois. Et Vas-y. Bon, moi je suis assez bavard, hein, donc il va falloir m'arrêter si je commence à parler trop. Donc là, y en a déjà qui me connaissent parmi vous. J'ai eu une expo donc, en 2012 à la médiathèque pour laquelle j'avais fait ces panneaux. Et ici, donc, la Maison de la Montagne, j'ai essentiellement présenté mes carnets de montagne. Non pas que je suis un grand montagnard, mais les destinations où je vais, il y a quand même pas mal de montagnes. Donc voilà, essentiellement au mur. Des reproductions, à part deux originaux. Des reproductions parce que les originaux sont dans les carnets, qui sont dans les vitrines, mis en scène avec des objets que j'ai ramenés de là-bas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'écris et donc je dessine pendant la journée généralement. Le soir, je ne dors pas beaucoup parce que j'aime bien raconter tout ce qui s'est passé. Donc j'ai le crayon qui part tout seul, le stylo, et donc sans brouillon, sans filet, j'arrache jamais de pages. Et au départ, ce sont des petits cahiers canson, vous avez quelques originaux là, et puis le reste dans les vitrines, que je donc fais relier à la fin du pays par un artisan. Ici, vous avez le carnet d'Éthiopie qui a été fait avec des grandes feuilles canson, avec lesquelles j'ai fait des feuillets de 16 pages. Et à la fin, j'ai fait faire la reliure. Donc là, il y en a un des deux carnets. Et il n'est pas encore complètement relié, donc ça me permet pour les expos, comme ça, de pouvoir montrer plusieurs doubles pages. Mais après, une fois qu'ils sont reliés, vous les avez dans la grande vitrine, là,
Vous voyez bien que c'est difficile de montrer plus de double pages. J'ai réussi avec celui du Tadjikistan à montrer une ou deux. Voilà. Donc là, il y a des inédits par rapport à l'expo de Pau. Le Tadjikistan, que j'ai voulu garder sous forme de carnet, où là, vous pouvez vous amuser à lire le carnet brut, avec toutes les fautes d'orthographe, toutes les maladresses d'écriture que je peux faire le soir, voilà, parce que j'ai pas non plus trop le temps de réfléchir à ce que j'écris. Et ça part tout seul, quoi. Et ensuite, quand on les réédite, on retape tout le texte avec une police qui ressemble à mon écriture, qu'on retrouve ici, sur les panneaux. Ça tombe bien, elle s'appelle Philippe en plus. Et du coup, ça permet d'avoir un petit extrait du carnet de route. Donc ces panneaux, vous avez les dessins, un petit peu de texte, parfois des photos où on me voit en train de dessiner sur place et l'interaction que ça crée avec les gens. Voilà, pour faire bref, à peu près l'essentiel. Donc là, ici, il y a au départ, le plus ancien, c'est le Ladakh. Donc 2007, ensuite 2000, je suis allé en Iran, mais pas dans la montagne, donc j'ai zappé l'Iran. 2009-2010, le Yémen, qui est connu pour le désert, mais en fait, le désert était interdit quand j'y suis allé, pour des raisons de sécurité. Du coup, j'ai été essentiellement dans la montagne, pendant 6 semaines au Yémen. Et ensuite, le Tadjikistan... C'est il y a 2 ans, 1 mois en Ouzbékistan et 1 mois au Tadjikistan. Donc j'ai zappé aussi l'Ouzbékistan parce que la montagne n'est pas très présente. Et donc il y a l'Éthiopie, 2011. J'ai passé 7 semaines et les 3/4 du pays est à plus de 2000 mètres. La capitale Addis Abeba est à 2500 mètres. Donc, c'est intéressant. Même le Yémen, en fait, tous les dessins d'architecture que j'ai fait au Yémen. Le Yémen, la capitale est à 2400 mètres, donc ça reste un pays de montagne. Et puis le Maroc, où je vais depuis 4 ans à peu près, tous les ans maintenant, pour faire des stages, amener des gens qui veulent dessiner. Donc pendant une semaine, on marche et on dessine. Voilà. Si vous êtes intéressé, c'est l'occasion d'avoir déjà de voir les originaux, de pouvoir les feuilleter, et puis éventuellement... avoir une dédicace si les livres vous intéressent. Et c'est de l'aquarelle ? Et c'est de l'aquarelle, oui, parce que moi, au départ, je suis plus dessinateur, parce que j'ai une formation donc, de collaborateur d'architecte, et donc je suis plus avec le dessin, je faisais vraiment un blocage sur la couleur. Je me suis débloqué en Inde, mais tout seul, sans avoir appris. Et j'aime bien encore faire des dessins en noir et blanc, des dessins monochromes. Alors, on me dit souvent que c'est là où je me débrouille le mieux, mais j'aime bien parfois quand même mettre un peu de couleur. Et puis, petit à petit, en faisant, les progrès se font, et je pense que c'est assez visible. Donc, voilà. Crayon, feutre pour le noir et blanc, parce que l'encre, ça me paraît pas facile. Et puis, l'aquarelle, vous avez à l'intérieur là, le pinceau à réservoir d'eau. Donc quasiment tout est fait avec le pinceau à réservoir d'eau. Donc le principe, c'est qu'on met de l'eau dans le pinceau et ça permet de ne pas avoir forcément un gobelet. Je ne sais plus si j'ai... Non, je ne l'ai pas mis là, mais voilà. Tout des cours et moi je vous félicite d'avoir posé des crayons et de tes architectes et ta table de dessin pour partir à l'aventure comme ça. C'est courageux. C'est où... Ou un peu fou, ou courageux, je ne sais pas. Oui, c'est les deux. Au départ, c'est pendant les congés, et puis après, les congés se sont allongés. Quelques questions. Donc, projet prochain. Pour l'instant, je n'ai pas défini encore. Plein d'idées, mais ça, c'est la question que j'ai tout le temps, forcément. Mais je ne fais pas partie de ces voyageurs qui s'incrustent chez l'habitant comme ça. Mais très souvent, le dessin est un moyen de lier un contact. Et dernièrement, c'est vrai que les derniers voyages, j'essaye d'aller un peu plus chez l'habitant. Et ça a pu se faire au Tadjikistan parce que j'avais fait l'effort d'apprendre le russe. Et du coup, j'ai pu comme ça rencontrer des gens. Comme ils ont une hospitalité persane, j'ai retrouvé cette hospitalité.
En Iran, j'ai eu beaucoup de mal à aller à l'hôtel, beaucoup de mal à dépenser mon argent. Et là, j'ai été quasiment tout le temps chez l'habitant. Après, en Inde, c'est souvent dans des hôtels, dans des petits hôtels. En Éthiopie, j'ai fait des très belles rencontres. Ce prêtre-là qui est sur mon carnet. Donc, le fait de le dessiner, il m'a invité chez lui. Et au final, j'ai quitté mon hôtel et je me suis installé dans la famille. Après, on retrouve la traduction à la fin de tous les messages. Je rencontre aussi des voyageurs, alors pas trop au Yémen, mais vous voyez, là, je fais son portrait. Et ensuite, je demande de m'écrire un petit mot. Et puis, il y a aussi toujours quelqu'un qui me tire le... Et puis, elle m'a dessiné ici, voilà, mon portrait. Pas mal du tout, oui. Et j'ai encore reçu hier une photo où on voit les prêtres en train de regarder le livre. Il faut que je les mette sur le site. Voilà, donc en Iran, c'est pareil. Les principales rencontres ont lu leur livre. Et même s'ils ne peuvent pas lire le français, ils peuvent lire leur message. Parce que ça, c'est important quand je croise les gens là-bas, même si je ne peux pas parler la langue, même si je fais un peu l'effort de m'y mettre, je ne suis pas non plus très fort dans la langue, donc voyant mon carnet, il le feuillette, comme il n'est pas relié pendant le voyage, puisqu'il est donc sous forme de feuillet comme ça. Donc voilà, quand je dessine, si les gens sont intéressés, je leur passe les feuillets et ils les regardent à leur rythme. Et quand ils tombent sur des messages dans leur texte, comme ça, par exemple, dans leur alphabet, ils vont s'amuser à le lire, à le traduire. Et... Donc il y a un échange comme ça qui se crée. Des mésaventures pas trop méchantes. Disons que je sais maintenant qu'à chaque fois qu'il y a une galère, c'est finalement bien parce qu'il se passe finalement autre chose après. Et ce qui est prévu ne me paraît pas très, très intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est justement l'imprévu, de ne pas savoir où on dort, de ne pas savoir... Donc je trouve que c'est là où ça devient vraiment intéressant. Je pense au Tadjikistan, là où j'étais au fin fond de la vallée du Wakhan, donc face à l'Afghanistan, et même on voyait les sommets de l'Hindou Kouch, du Pakistan, parce qu'il était à peine à 20 km. Et j'ai mis une journée à faire du stop, sans résultat, parce que des touristes, le peu de touristes que j'avais vus le matin avaient refusé de me prendre. Et j'étais furax, et après, plus aucun véhicule. Et puis finalement, ça m'a permis le soir d'aller voir une forteresse que j'aurais pas vue si j'étais parti. Et le lendemain, j'ai dû me payer un véhicule pour moi tout seul, une Jeep. C'est une folie, mais en même temps, comme j'avais passé quand même quelques jours, pas mal de temps où j'avais été accueilli, voilà. Finalement, c'était pas bien grave. Et au final, voilà, ça s'est très bien passé. On a même stoppé dans un village alors que c'était pas prévu. Mais grâce à une panne de la Jeep, moi j'étais tout content parce que j'étais dans un paysage extraordinaire à presque 4000 mètres, un lac turquoise. Et ça m'embêtait trop de le voir, ce lac coincé dans la Jeep où on n'avait pas le temps de marcher. Et quand la Jeep a cassé l'amortisseur, j'étais ravi. Un petit groupe de jeunes, il y a deux spécimens ici, qui préparent un voyage au Maroc. Et donc, ils font une opération de financement. Et donc, ils vont préparer le tagine. Voilà. Donc, il y aura les yeux, il y aura le son, il y aura les papilles. Il y aura tout ce qu'il faut à cette soirée, donc le 9 avril. À 19h. Voilà. Et alors, il y a des gens qui se disent. Oui, non. Il y a de quoi lire. C'est une espèce de brandon, c'est quoi ? C'est le roi. Ah, bah voilà. La brandade, et là c'est la brandade. Je connais pas. C'est pas évident. Ah, c'était
Mais ça, c'est le top niveau, parce que c'est... Non, il y a plus. Non, mais c'est... Donc, plus c'est cher, plus c'est cher. Le plus gros, c'est d'abord que le Naga, il faut faire des légers, mais ça fait que ça va pas. C'est bon. Oui, mais c'est sympa. La dédicace personnalisée. Oui. Oui. Qui va faire bien attention à vous. Ben, merci. Merci bien. C'est chouette de vous revoir. Vous n'avez pas d'appareil photo ni de caméscope ? Si, j'ai un appareil photo, parce que si vous venez d'ailleurs le 9 avril, là, vous allez voir, je fais des photos, là, quand je fais mon diaporama. Et là, ce jour-là, c'est photos et dessins. Oui, et vous faites surtout des dessins. Mais j'ai pas de caméscope. Oui, d'accord. Non, mais c'est-à-dire que je peux pas tout dessiner, donc il y a quand même pas mal de choses que je prends en photo. Oui, d'accord. Et je prends en fait pas mal de photos. Hein. Et les gens me disent que j'ai de belles photos, pourtant j'ai pas un appareil. Oui, d'accord. Moi, je veux privilégier... j'ai pas envie de me balader avec un gros réflexe. Donc j'ai un bon compact qui tient dans la poche, même s'il est un peu gros. Et ça me permet de faire quand même des belles photos. Après, c'est l'œil surtout qui fait que. C'est pas tant la technique et le matériel, mais c'est plus l'œil. Et si vous venez là, vous verrez que les photos du Yémen, elles sont assez. C'est surtout que c'est magnifique, quoi. C'est des architectures. Oui, mais ça c'est comme ça. C'est... Vous allez arriver le même. Hein? Non, c'est pas. Voilà, je termine maintenant mon reportage sur le vernissage de cette magnifique exposition qui a eu lieu donc aujourd'hui 5 mars à 19h et reviendrai ensuite pour filmer entièrement l'exposition et vous montrer en détail tout ce qui est exposé. Et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Mission News. On filme comme ça.